Yo tout le monde, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'anime Trinity Seven. Non, je vais juste vous présenter l'anime et non le manga à lire. Du coup, voilà, les dates seront pas les mêmes et voilà. Donc, ce manga a été écrit par Kenji Saito et dessiné par Fujimi Shobo. L'adaptation en série télévisée produite par le studio Seven Arc est diffusée depuis 2014. En gros, la première saison a apparu en 2014. Et il n'y aura pas de prochaine saison, je pense. Voilà. Dans les pays francophones. Donc cet anime est principalement classé dans le genre action, comédie, ecchi et fantastique. Donc l'histoire traite sur Kasuga Arato, un adolescent qui vit seul avec sa cousine, entre parenthèses, amie d'enfance. Ijiri, à ce nom. En découvrant que cette vie n'est en réalité que la création d'un mystérieux grimoire. Donc les grimoires, en gros, c'est comme de la magie. En gros, c'est un livre où on lui a créé sa vie, en fait. Mais il va découvrir que le monde dans lequel il vivait a été détruit. Et que Ijiri... Putain, je bug à son prénom. Ijiri a disparu. Donc Arata décide de rejoindre l'académie Magus afin de devenir lui-même mage pour pouvoir sauver sa cousine. Ainsi, Trinity Seven, les plus puissants mages de l'école, voit-elle le pire pervers qu'auront connu intégrer l'académie et sans contrainte de lui enseigner la magie pour le meilleur et pour le pire. En gros, il va se battre, il va devenir mage et tout pour pouvoir retrouver sa cousine qui en fait a disparu, morte ou quelque chose. Je vous spoil pas, j'ai pas envie de vous dire. Faut pas trop que je parle, sinon ça va vous spoil et l'histoire elle sera pourrie sinon. Il faut que vous... Faut pas que je vous spoil, parce que sinon après, ça die. Donc voilà, donc cet animé, je vous le conseille vraiment. Sur une note sur 20, je lui mettrai 18, allez 19. Parce qu'il y a des scènes d'action. C'est un peu ecchi. Vous verrez, il y a des scènes, voilà. En gros, à la fin, ils veulent tous sortir avec lui et tout. Même celle qui voulait pas qu'elle intègre l'académie, elle va avoir des sentiments. Voilà. Parce que je crois que c'est le seul mec qui a de la magie, un truc du genre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'hab, likez, commentez et partagez. Partager, c'est le plus important, évidemment. Et vous abonner si c'est pas fait. Donc, si vous avez des questions ou des autres animés à me présenter pour que je les présente avant, je les regarde, évidemment, si je les connais pas. Bah, n'hésitez pas. Et je vous dis peace tout le monde. Allez, peace les potos. Et merci aux 2000 abonnés. Peace.